Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Comment allez-vous, Elisabeth, ce matin? Oh, mais très bien. Je sens. Oui. Ça va très bien. J'aime la pluie en plus. Vous aimez la pluie? Bah, vous êtes gâtés, alors. Vous êtes gâtés. Partons pour Strasbourg. Oui. Ça fait deux jours qu'on en parle. Oui, oui. La métropole de Strasbourg instaure un congé pour troubles de la ménopause. Oui, alors c'est une première en France, une avancée majeure pour les femmes, à en croire Libération, qui lui a consacré deux pages à cette importante avancée. Donc les 3500 agents de l'Eurométropole ont droit à 13 jours de congé de santé gynécologique par an, sur certificat médical. Alors ça existait déjà pour les règles douloureuses, on appelait ça le congé menstruel, et pour l'endométriose, la nouveauté, c'est que maintenant ce congé prend en compte les symptômes incapacitants liés à la ménopause, comme les bouffées de chaleur. Alors pour Christian Lieder, qui était interrogé par notre cher Benjamin avant-hier, je crois, qui est adjointe droit des femmes, égalité des genres de Strasbourg, un nouveau tabou est levé. Alors ça, c'est leur grand mot, le nouveau tabou. Une nouvelle parole se libère. Les femmes doivent pouvoir parler de leurs problèmes de femmes à leur manager. Et d'ailleurs, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Il faut aussi lever le tabou des maladies vénériennes et des embarras gastriques. Et ça, ça nous promet de chouettes moments à la machine à café. Oui, cela dit, la ménopause, pour une femme, c'est un moment qui peut être invalidant. Enfin, invalidant, j'exagère un peu, mais qui peut être difficile. Oui. Oui, peut-être même que les hommes aussi, quand ils vieillissent, il y a des choses qui sont difficiles. Oui, il y a de l'endropause, mais bon, là, vous avez raison. Mais vous ironisez, mais c'est un problème sérieux. Oui, qui concerne c'est un problème 14 sérieux. 14 millions de femmes. 14 millions de femmes, oui. Et bien sûr, il faut favoriser sa prise en charge médicale. Sauf qu'en l'occurrence, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un combat idéologique. Ce qui intéresse Mme Bieder, ce n'est pas l'amélioration de la santé des femmes, cause ô combien légitime, c'est la reconnaissance. La reconnaissance et la publicité. Alors, curieusement, au passage, ceux qui veulent, comme Mme Bieder, que les maladies féminines soient considérées comme à part, qu'elles fassent l'objet d'un traitement spécifique, eh bien, ce sont les mêmes que ceux qui expliquent que la différence des sexes est un concept réactionnaire ou transphobe, mais passons. Ça, c'est vrai, ça. Oui, ça, c'est vrai. C'est toujours les mêmes. Oui, bon, ça, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, n'importe qui, homme ou femme, peut obtenir un congé maladie sans avoir à dire pourquoi, et avoir un certificat médical. Le grand progrès, c'est qu'avec le congé menstruel ou gynécologique, eh bien votre DRH saura que vous êtes en phase de ménopause. Ça, c'est quand même bien. Alors, on est là au croisement de deux tendances lourdes. La transparence, tout doit être montré. Il n'y a pas de vie privée, pas de secret médical, tout ça, c'est à jeter. Ce qu'elle appelle tabou, en réalité, c'est qu'on épargne à ses contemporains le récit des embarras de son corps, pas par honte. On ne parle pas de tout ce dont on n'a pas honte, mais par discrétion ou pudeur. C'est un peu le cœur de la civilisation, me semble-t-il. Et puis la deuxième tendance avec la transparence, c'est la victimisation. Dans la compétition du malheur, mon cher Jean-Jacques, nous devons toujours avoir, nous les femmes, je veux dire, une longueur d'avance. Alors bien sûr, les hommes meurent plus jeunes, ont plus de maladies cardiovasculaires et sont plus victimes d'accidents du travail ou d'homicides. Bon, il y en aura beaucoup comme ça. Mais à entendre certaines féministes, la féminité elle-même serait une maladie. On pourrait d'ailleurs, puisqu'il faut bien nous soigner, instaurer une allocation souliers et colis fichés. Au fait, vous savez que la plupart des hommes, je ne veux pas du tout genrer mes propos, mais enfin la plupart des hommes aujourd'hui ne s'épilent pas, ce qui leur fait d'ailleurs une grosse économie de temps et d'argent. Alors lundi, je ne serai pas là, je serai en congé esthéticienne. Bien, il est 7h51, vous êtes sur Sud Radio, vous avez la parole 0826 300 300 dans un instant.